Oh, ça tremble, il s'éloigne. Nous, par contre, on reste là. RL69RC, bienvenue à toutes et à tous. Merci pour le visionnage. Cette nouvelle séance du 13 décembre 2020 s'annonce sympatoche. Il y avait plus de soleil ce matin, mais il n'y a pas de vent et il y a une légère éclaircie. Aujourd'hui, nouveau vol avec le Beaver de chez FMS, un magnifique bestiau de 2 mètres. J'ai failli avoir un incident lors de son Snow Maiden Flight car l'espatule était tombée en avant. Et donc forcément pour l'atterrissage c'est pas génial. D'ailleurs c'est venu forcer l'habillage du train d'atterrissage. C'est pas grave, on a serré les écrous. Ça devrait rester stable et ne pas bouger donc. Également aujourd'hui, apostrophe Chris Pilot qu'on salue. N'oubliez pas d'aller voir sa chaîne. Lui débarque avec le Tundra et le C185. C'est vraiment joli sur ski. Allez, on va bien s'amuser. Restez accrochés. N'oubliez pas de vous abonner. Cloche de notification et un petit pouce en l'air. Nice et go. Yes. Reviens, j'ai les mêmes à la maison. C'est un beaver, ça? Super knife edge. Confiance absolue dans le pilote. Magnifique.
Magnifique. Nice. Joli premier vol pour cette séance. Et merci à apostrophe Chris Pilot. On va continuer. Nice. Reste accroché. Bon, bah pour ce premier vol, il me reste 1 minute 43 sur 100 minutes. Donc, j'ai pas abusé. Mais voilà, j'ai embarqué pour info une lipo de 4300 milliampères 6S 58%. Voilà, après 3 minutes et quelques sur une lipo de 4300 milliampères 6S, il me reste 58%. Les cellules sont relativement bien équilibrées. Allez, c'est reparti, on va embarquer une 4004 cette fois-ci. Pas une grande différence, mais le même amusement. Allez, je décolle en full flap.
8 minutes. Ouais, beau, magnifique. Jamais quoi. Bon, je crois que j'ai trop de flap. Automatique. Tu vois, je mets les flappés maintenant après le virage parce que. Bon, c'était un peu limite, mais on prendra ça comme ça. RLS 69RC, merci pour le visionnage. Abonnez-vous, cloche de notification et pouce en l'air. Merci à Apostrophe Chris Pilote.